Salut tout c'est Clément, on se retrouve pour le premier tuto de la chaîne. Et oui, bien sûr, tuto Minecraft et non hors sujet. Et c'est pour parler des champis et aussi des maisons champis. Tanana. Oh, je me demande ça fait quoi si je fais ça. Ça vous fait mal aux yeux. Bon, alors, premier truc à savoir, c'est que on trouve des biomes. Des biomes champis qui sont assez rares, en vrai c'est assez rare. Puis ils ont de la terre comme ça. Mycélium ça s'appelle. Alors regardez, ça se propage, hein, je veux dire. On va attendre, je vais vous laisser voir après. Mais il y a des champignons grands comme celui-ci, déjà poussés à l'intérieur. Mais genre sur le biome, pas besoin de les faire pousser. Normalement comme ça, puis c'est vraiment l'usine à bouffe là-bas. Je veux dire, vous avez du bois, ce qui est assez simple, à moins que vous spawnez dans une map sans bois, ce qui est un petit peu pas très possible. Mais après, vous trouvez un biome champi bouffe. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des vaches champimeux. Qui sont des champignons. Mais en fait, ce sont des vaches qui ont des champignons dessus. J'aimerais bien, voilà. Je sais que vous savez, mais hein. Voyez-vous, j'ai cliqué sur la vache et de la soupe champi, ça veut dire si vous en trouvez, vous avez que besoin de bol. Tang 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 tang, vache champi. Voilà. Désolé, je suis en train de faire un truc. Voilà, ça va être moins. Ça devrait être mieux, plutôt, que moi. Et commençons par la première maison. Déjà, j'aimerais bien faire ça. Je vois mieux quand il fait nuit. Alors, voilà la première maison, champi, assez petite, on va se l'avouer. Mais quand même, vous pouvez mettre une table de craft, un four, que j'ai pas mis là, mais un lit, des coffres, etc. Et si vous pouvez casser la tige, mais j'aime mieux la tige parce qu'après, bon, je ne savais pas trop où mettre les trucs, etc. Mais vous pouvez enlever la tige, hein. C'est pas obligatoire. Et si vous en voulez une plus grosse parce que c'est trop petit, voilà la double maison champi. Ta-na-na-na. Oh merde, j'ai oublié de mettre un jukebox ici. On va dire que c'est bon, attends. Attendez. Il y a le jukebox, je l'avais pas mis là. Non. You. On va dire que c'est pas grave. Il y avait un jukebox ici. Alors cette maison, où est-ce qu'on peut mettre des coffres, des trucs dans le cadre, genre du stuff pour le prendre. Je sais pas si. Bon. En gros, si vous êtes en service, ça va vous le donner. Alors vous pouvez mettre de la bouffe dedans. Un minimum de beauté, s'il vous plaît. On défoure, voilà. Ça c'est pas trop obligatoire, c'est juste pour la déco. Une table d'enchant. Bon, une petite chaise. Et un lit. C'est assez sympa. Et si vous êtes toujours pas content, tin. Le jukebox. Voilà, je sais pas. Une chaise, là vous mettez. Ok. Il y a un peu des chauves-souris dans la maison. Tranquille. Alors ouais, ça c'est l'arrivée. Ici c'est la chambre, etc. Ici c'est le salon. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Invasion s'il vous plaît. Ah là 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 là. Ok, c'est invasion. J'ai peur. Ici la cuisine. Ok, ma maison est remplie de chauves-souris ici. Je vous jure, c'est pas moi qui les ai mis. Hein. On va laisser un peu s'évaporer. La porte est ouverte, vous pouvez sortir, bien sûr. Puis, comme vous voyez, là, c'est un champignon. Deux. Bon, oui, ça, c'est deux. Et là, c'est quatre. Bon, cinq, on va se l'avouer, parce qu'il y a un champignon au milieu. Les quatre chambres. Puis, chambre principale. Et voilà. Après, les champignons marrons, il n'y a pas grand truc à faire avec. Bon, ça, on va se l'avouer. Oh, vous pouvez faire comme moi, mettre une petite barrière au-dessus. Puis je sais pas moi. Mettre des vaches. La 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 la. Etc.
Attendez, est-ce qu'il y a moyen slash clear mob slash clear? Ok, non, c'est pas ça que je voulais faire. Slash mob. Ok, il n'y a pas moyen. Je vais tuer la main. Oh oui, après vous pouvez mettre d'autres trucs. Casse-toi, casse-toi, cassez-vous, cassez-vous, casse-toi, 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 casse-toi. Ah! Et maintenant j'ai clear mon inventaire. Sympa! Puis vous pouvez faire un autre truc. Je prends de l'eau. Ou puis ça. Faire un champ. Alors je sais pour vous donner. Mettre de l'eau ici. Genre en tout. Comme ça se voit pas. Puis. Ça reste quand même caché. Comme ça, ça prend pas, genre, pas besoin de mettre une source d'eau ici. Tac 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 tac. Oh voilà, et puis après vous mettez vos graines et vous amusez. Oh. Hop hop. Après, avant de commencer la construction des champignons, est-ce que ça poussait? Voilà, regardez. Ça s'est reproduit, bien sûr ça se reproduit pas sur de la terre, comme il faut vraiment de la terre, comme ça. Hop. Alors oui, il faut aussi celle de hauteur pour que faire pousser un champi que je vais vous dire après. Bon, en fait non. Oui, maintenant oui, non, je sais pas. Est-ce que j'ai mis le champignon là vu que j'ai clear? Bravo, quelle idée de clear. Ils sont où les champis? Ah voilà. C'est bon. Alors, pourquoi je poussais? Alors, c'est normal si je bouge plus. C'est normal, c'est très normal même. C'est normal, je frise pas, c'est juste que. En fait, j'avais frise, mais là, je frise plus, mais j'attends juste un truc. C'est bon. Alors, faut faire un tour de 7. En creusant ou une tour de 6, mais moi je préfère mieux faire la 7. Vous creusez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous faites une croix en n'importe quel bloc. Hop. Voilà. Et après, bien sûr, il faudra que ça soit nu parce que là, ça commence à devenir nu, mais. Hop. Alors vous mettez votre champi et vous faites pousser et là vous avez un champi. C'est de même au champignon en haut qui veut pas pousser vu qu'il y a un bloc à côté. Alors oui, je viens de compter 6, mais c'est parce que je peux faire un et deux, mais je suis plus habitué à faire 7, mais je peux aussi faire du 6 de. Ok. Voilà, puis bon, c'est la même chose. Parce qu'en fait, vous voulez pas des trucs immenses, parce que ça pourrait être plus immense. Genre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça, il faut pas le faire, ok. Après votre maison en champi, elle va pas coller. Elle va le foutre pas coller. Après, elle va être en train de l'éviter. Pas l'éviter, mais. Ah oui, là il y a un bug. Souvent, parfois, non, pas souvent, mais parfois, il y a des bugs. Faut genre. C'est que la lumière elle peut venir de là ou de là. Voilà. Attention. Qu'est-ce que je vous disais? Mon champi, il est vite! Bon, puis si vous avez cassé votre champi,
Il y a genre un moyen le plus facile du monde. Ting, ting. Vous mettez votre chapeau là, hop. Ah, j'espère que je ne vais pas lag. Attention. Poum. Et ça a explosé. Attention. Attention. Ah oui, c'est la meilleure façon de péter. Non! Je l'ai mal fait péter. Pas quand même. C'est bon. Passons vite fait à un autre truc. Ces blocs sont-ils cassables? Eh oui, on se pose la question. Eh oui, ils sont cassables. Mais d'une certaine manière, ouais, vous allez comprendre. Alors je vais faire slash game mode survival. C'est normal que j'ai genre 2004 non 24 000 quelque chose d'XP. Voilà. Vous faites une touche de soie, skip touch. Moi j'en pense à France. Et vous pouvez casser les champis. Hop. Mais regardez bien. Slash game mode. Le bois que j'ai miné est complètement cette texture. Vous voyez, genre, c'est même pour. Oh, mais je suis un craft. Oui, mais ils sont tous cassés comme ça. Ça veut dire, oh, voilà. Alors c'est pas très joli, on va se l'avouer. Bon, bien sûr, avec les commandes blocs, slash give, mushroom, quelque chose, ou avec l'idée du bloc, vous pouvez toujours. Et même si vous faites créative et vous faites molette, qui veut dire tape pour reproduire un objet, ça va vous donner que des champis. Même pour ça, ça vous donne que des champis. Parce que c'est pas très considéré comme... en gros c'est une exception Minecraft, c'est un bloc mais pas très un bloc. Je me demande si vous avez compris. Puis ouais bah c'est ça. Maintenant je vais prendre tac tac. Alors pour ça je vais pas vous refaire la production parce que c'est genre ça c'est facile, tu fais pousser un champion marron et après tu regardes tu mets genre des barrières etc. Tac, 2 secondes pour regarder un truc. Ouais non c'est bon. Ici, je pense que ce sera bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là, vous vous demandez seulement qu'est-ce qu'on va faire. Et ben, je vais reproduire toutes les maisons. Alors, si vous voulez arrêter la vidéo là, bon, je pense que c'est assez facile. Vous faites pousser un champignon, ici, 2 champignons. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en gros ça a l'air vraiment 4 mais c'est un 5e champignon. Et moi je me trompe. Oh oh oh. Hop. Alors là je fais la protection. On va mettre un champignon. Hop. Et voilà. Bon et voilà. Après vous décorez comme vous voulez. Hein. C'est-à-dire vous mettez un stop. Bah, en tout cas. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Mais ça fait super nickel. Super nickel. Ta-da-da. Après vous pouvez casser votre tige ou pas. Mais faites attention que si vous cassez un bloc, c'est la fin. Vous ne pouvez plus reproduire à part casser toute votre maison, remettre un champi et refaire pousser. Ce qui n'est pas très évident. Ah. Oh, c'est une autre histoire.
Le maison double. Et oui, et oui, et oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vous ai expliqué pourquoi je sais comment les mettre. En fait, bah, vous mettez, vous faites de tour 4 de blocs en, et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ils sont collés, ces deux blocs sont collés, et vu que c'est du 3x3, bah, on a creusé en bas. Mais, attends, c'est là, c'est là. Mais, pourquoi? Slash, time, set, link. Encore un bug. Enfin, c'est bon. Donc, je crois juste parce que... Ok, les... c'est bordel. Qu'est-ce que j'ai foutu? T'as pas de l'eau? J'ai pas fait une grosse bêtise. Désolé, hop. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. On le dit. Parce que je suis en vidéo. C'est parce que je suis en vidéo, n'est-ce pas? Je sais en fait si je le bouge là. Ok, il faut vraiment le faire pousser en terre, ça je ne savais pas. J'ai appris un truc. Alors, regardez bien. Ici, il faudrait... Voilà. C'est 1, 2. Alors là, 1, 2, et la tige sera là. Donc on va regarder ma logique. Je sais pas, mais on va dire que vous avez compris. Il faut vraiment leur faire pousser de 4. Ou si vous voulez ma technique 1, 2. Après là, 1, 2, ça veut dire que je pose la tige ici. J'essaye. Ça bug encore. Allez, vous faites un petit truc, et voilà, ça ressemble à votre maison champie. Hop, 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 hop. Ça, je veux pas casser avec vous, mais vous avez compris. Et la maison a 4 champignons. Et oui, la maison a 4 champignons. Bien sûr, aussi, je fais pas la déco intérieure, parce que je vous laisse à votre goût. Faire la déco intérieure. On va aller un peu plus par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, 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 tac. Après, vous faites 1, 2, 3, 4. Ça veut dire 1, 2. Tout ça, vous pouvez coller. Bah, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire, en fait... 4. Alors là je fais hop 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 hop. Ouais, vous voyez ces deux d'intérieur. Je me demande si vous me comprenez. C'est une grande question. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Hop 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 hop. Et voilà. Alors vous pouvez casser vos deux tours, en tout cas si vous en avez fait deux, si vous avez fait un peu différemment. Alors, si vous me disiez tu casses au pif, non, c'est parce que il y a de l'ombre, je sais vous casser. Super. Alors j'en pose un peu partout. Alors, il faut avoir une truc principale. Alors, moi, je dis par là. Attends.
c'est encore fail. Super, aussi, si... Oh, je vais boucher, mec. Voilà, c'est bon. Hop. Oh, ok. Alors là, ça va être mon intérieur. Vous allez casser ici. Je vais repousser un autre champignon. Voilà. C'est comme si vous voulez faire une maison. Une maison double, mais voilà. On continue. Alors là, je mets ça. Voilà. Et là, je mets ça. Tadam. Et là, je mets ça. Vous avez-tu compris? Oui. Et voilà. Après, vous pouvez bien sûr vous montrer les quatre modèles. Ou... Je veux dire, ça vous tente de faire un truc du genre, je sais pas moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, faut que je monte un parce que j'ai compté d'un. Voilà. Par exemple, vous voulez faire un autre modèle, je vous montre trois modèles. Mais après, hop. Faire un autre modèle, bah, c'est à votre goût. C'est à votre choix. C'est vraiment bon. Là, je ne vois pas l'ombre. Encore un bug de Minecraft. C'est pas trop des bugs, c'est juste... Bon, moi, je dis que c'est des bugs. Hein. Encore là, après, je sais pas, pour vous. C'est pas des bugs de Minecraft, c'est juste la lumière. Ah oui, alors vous pouvez faire une maison champignon, ça. Ou si... Après, je sais pas, moi, je vais faire... Mais c'est vrai, vous pouvez agrandir. Non, vous pouvez en faire sur deux étages. Ouais, mais je pense pas que ça aura un très grand truc super magnifique. Waouh, de la marquitude. Vous savez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous le dis, je le sens mal. En tout cas, je pense pas que ça va le faire. Hein. Bon, si vous laissez la tige, ça pourrait le faire. Je veux dire... Ok, là... Oui, est-ce que ça va marcher? Super, bravo! Tu as réussi à mettre de l'eau. Oh, oh. Tu sais pas ce que... Ouais. Ok, non... Bon, en fait c'est la lumière, genre la lumière peut venir de là, et là c'est juste pour une protection au-dessus, ça veut dire que ça marche. Ça marche pas, je vous conseille d'essayer d'agrandir du 3x3, et sinon du 5x5. Ah enfin, ça marche. Non, ça marche pas, ne testez pas ce que je fais, c'est très moche. Très moche. Ouais, pff. Après on a quand même de la TNT. TNT, oh yeah! Attention! Oui! 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 Et là, on va mettre une petite douille. Yeah! Ça fait flou! Poum, poum, poum! Poum! On va rajouter une petite. Poum! Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de ce tuto. Alors, il y a des îles champignons que vous pouvez trouver assez rarement. Ça, c'est à se trouver, bon, bien sûr. Vous allez sur PS3. Bon, si vous jouez sur PS3, vu que les montres sont limitées. Ou Xbox, bien sûr. C'est parce que j'ai une PS3 et je m'attrape dessus, sauf que je peux pas filmer. C'est une longue histoire. Mais vous regardez sur le tour, vous dites, écrivez PS3, Seed. Mushroom Island, alors je vais vous faire la traduction française. Map île champi. Je pense pas que vous êtes nul en anglais, mais on sait jamais. Et voilà, vous trouvez genre, j'ai trouvé déjà une map.
Parce que il n'y a que des échampignons. C'est-à-dire, t'apprends dans un océan infini, infini. Et il n'y a que des échampignons. Encore là, sur l'ordi, ça marche un peu moins, vu que les mondes sont infinis. Etc. Alors, c'était Xulu pour le premier tuto des champignons. Un. Champignons. Alors, n'oubliez pas de laisser un like, de partager. Et voilà. Un like, partager. Et bien sûr, de vous abonner. Bon, après, juste avant, c'est, je sais un peu, tout ça va sur la pick-up, c'est un peu tardé, l'épisode 3, ça va arriver bientôt, peut-être, là on est à, quand je tourne, on est mercredi, oh, ouais, mercredi 5 novembre, oh oui, ça pourrait arriver, et bientôt, et oui, le fameux micro. Bon, peut-être 2 semaines. 2 semaines peut-être avant que j'ai mon micro. J'ai pas de bannière. Ça c'est vrai. C'est un peu dommage, mais. Et c'était Xulu. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et bye bye. Et je vous fais un petit tour de la map. On va faire un scénario. Aïe. Bon, sérieusement, on s'arrête là, alors, à plus! Juste pour vous dire, il y a une vidéo de ce genre, et oui. Mais, qui paraît vraiment des maisons choppies. Mais, je veux pas plagier. Alors, plagier. On s'en fout, mais je veux pas me plagier. C'est juste, déjà je l'ai entendu, moi j'ai un truc à lui reprocher. Il a gay. Puis quand j'ai entendu sa vidéo, je pense que je l'entendais faible. Je sais pas pour vous. Et voilà, c'est vraiment ça. Et le plus important, c'est que je voulais le dire de ma façon. Et oui, l'interpréter de ma façon. C'est ça, puis c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors bien sûr, il y aura le lien de la vraie vidéo dans la description. Ça, je peux me l'avouer parce que c'est un peu lui que j'ai pris l'idée. Les araignées, les chauves-souris, dégagez. Il y a encore des chauves-souris ici. Oh, j'en ai réussi à faire dégager quelques-unes, mais... Pas tous. En tout cas, il y aura le lien de la description de sa vidéo. Le lien de... Oh mon Dieu. Dans la description, il y aura le lien de sa vidéo. La vraie. Et comme je vous disais, mon idée principale, c'était pas de plagiat. C'est même pas mon idée secondaire aussi. Mais c'est que je voulais le dire à ma façon. Et voilà. Et je pense que on peut s'arrêter là. Alors, c'était la petite anecdote. Bye bye!